En suicide de Claride, je me le mets à la une. Hein? Trop tard, la une est bouclée. Tant pis, mets-le à la 6. Se tuer après 1h du matin. Ça voudrait être en première page. Tout de suite, si tu veux. C'est gentil d'être venu me chercher. J'en ai juste pour une seconde. Tu as lu mon papier sur le vol de tableau chez le vicomte Dalroux? Comment expliques-tu, toi qui connais le milieu, qu'il y ait eu un type assez indélicat 15 jours après la mort de Lupin pour signer un vol de son nom? Ce geste indélicat est peut-être une délicatesse. Imagine quelqu'un qui aurait voulu rendre un hommage filial à son père défunt. Comment c'était toi? Et tu m'as laissé faire un papier complètement idiot. À quoi ça sert d'avoir pour amant un sale petit voleur s'il ne vous donne pas de tuyau? Comme tu es intéressé, ça sert à ça. Dire que ma grand-mère me disait qu'il fallait avoir peur des voleurs. Non, Marcel Achard n'est pas un champion cycliste. C'est un jeune auteur d'avant-garde. Où il est? Là, là, je vous crève les yeux. Il y a longtemps que vous faites la chronique mondaine? C'est la première fois. Ça se voit. Et celui-là, qui c'est? Le baron von Kranz, consul de Paul Davy. Il est allemand? On n'en est pas sûr lui-même. On prétend qu'il a débuté comme barman à Saigon. Il ne se construit pas un bateau dans le monde sans qu'on lui en demande la permission. Et l'autre? Son secrétaire, son ombre, Hans. Hans comment? Siegensberg. C'est un nom assez difficile à retenir. Surtout pour une Française. Excusez-moi, cher baron. Non, merci. Ah, ah. Ça fait 8 jours que je téléphone chez toi. De grosses affaires avec mon père. Ça parfume trop, ton père, tu devrais le lui dire. Chère baronne, mais il est ravissant, ça, face à main. Dis donc, tu n'as invité que des monstres. J'ai l'impression de feuilleter un vieux carnet de rendez-vous. Oh, une page blanche. Mais présentez-moi. Nathalie Cartier. La journaliste. Vous ressemblez tout à fait à vos articles. Ils sont un peu méchants, bien sûr, mais ça doit être un plaisir d'être griffé par vous, même de loin. Bon, je vous laisse, François. Mais souvenez-vous que vous avez déjà un carnet de rendez-vous très chargé. C'est drôle. Moi aussi, en vous regardant, je cherche une ressemblance. Avec qui? Un visage sur lequel je n'arrive pas à mettre de nom.